Tous les années, nous pouvons faire ça. Et ce vaccin que nous pouvons faire là, nous couvrons tous ces trois virus là. H1N1, H3N2 et influenza B as well. Et comment vous dire ça, virus là, il est contagieux? Est-ce qu'il est dans l'hôpital et n'a pas de précautions nécessaires pour prendre pour qu'il banne personnel soignant? Non, mais là, naturellement, je prends. Il y a même sur l'hôpital qu'on dose, il y a même sur l'hôpital qu'on dose, je prends pas de précautions. Et la personne qui décide, est-ce dans quel hôpital? Du tout. Et il y a des malades. Nous causons aussi de mutations, de virus H1N1, H1N2. Est-ce que c'est un vaccin qui peut venir là, un vaccin qui fait l'ICF, l'hypothèse? Définitivement. Vous connaissez qu'un vaccin avant de sortir, commencement de l'année, c'est World Health Organization qui décidait qui virus qui peut plus commande cette année-ci et qui strain des virus qui peut plus commande encore. Alors c'est World Health Organization pour se suivre l'évolution. Ce malade-là, entièrement. C'est eux décider, eux informent, manufacturer, manufacturer, faire un vaccin, qui va strain des bons vaccins qu'ils besoin faire, qui va strain des bons virus qu'ils besoin prévenir contre. C'est WHO qui prépare ça tous les années. Je fais ça pour l'hémisphère sud et pour l'hémisphère nord aussi. Parce qu'il y a différents virus. Mais alors la, ça ne préparait pas de bonnes choses. La population peut paniquer, la docteur. Est-ce que je t'en ai raison de paniquer? Non, je ne pense pas. Les mouvements de dire, ce n'est pas une question de niveau. Il y a qui nous finit gagner pendant ça. Depuis 2006, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. Nous gagnons H1N1 pendant 8 ans. Donc, pénalise qui diminue une épidémie? Non, on va aller 10 jours. Non. Parce que nous pouvons faire, nous pouvons prendre toutes les précautions qui besoin. Mais bon, je vais vous dire encore, nous avons des précautions ici. Le gouvernement peut faire tout ce qu'il peut. Nous pouvons donner vaccin, nous faire traitement avec la méflure,